Suivez-moi sur les réseaux sociaux Gourmandise Alia, Snapchat, Instagram, Facebook. Hello, hello mes pommes d'amour! Je reviens avec vous aujourd'hui avec une recette sucrée. Ce sont des locums revisités avec la texture légère. Cette recette peut être également utilisée en tant qu'insert mandarine pour les entremets ou les cheesecakes. L'avantage de cette recette, c'est que je n'utilise pas de pectine, pas de gélatine et pas de glucose. Allez, sans plus attendre mes pommes d'amour, je vous propose de passer à la recette. Vous aurez besoin de 450 ml de jus de mandarine frais, de 40 g de maïzena, de 70 g de sucre en poudre, de 10 g de beurre et pour la décoration, vous aurez besoin de 40 g de noix de coco râpées, 40 g de sucre en poudre. Sachez que j'ai utilisé personnellement le sucre glace, mais ça ne fait pas l'affaire. Vaut mieux utiliser du sucre en poudre. Je verse l'ensemble du jus de mandarine dans la casserole. J'y ajoute les 40 g de maïzena. C'est ce qui va permettre à la crème de s'épaissir. J'y ajoute le sucre en poudre. Et puis, je commence à mélanger sur feu moyen jusqu'à épaississement de la crème. Environ 10 minutes après, j'obtiens une crème beaucoup plus épaisse que le début. Vous pouvez le remarquer à l'écran. Je fais bouillir l'ensemble encore 2 à 3 minutes. Et après les 3 minutes, je retire du feu. Dernière étape, j'y ajoute le beurre et je mélange vivement afin de bien faire fondre celui-ci. Je verse la crème obtenue dans mon ustensile distributeur de pâte. Puis, je coule la crème dans les compartiments de mon moule en silicone. Sachez que si vous n'avez pas de moule en silicone comme celui que j'ai, vous pouvez également utiliser un plat rectangulaire et que vous couperez à l'aide d'un couteau à la fin sous forme de carré. Voilà mes petits locums ou inserts mandarines, direction le frigo toute une nuit pour que la crème durcisse. Je verse ma noix de coco dans un des plats et dans l'autre j'y ai mis du sucre glace, mais comme je vous l'ai dit, utilisez plutôt du sucre en poudre ou seulement de la noix de coco, c'est à vous de juger. J'ai récupéré mes petits locums qui ont reposé au frais durant toute une nuit et tout simplement je les démoule et je les mets dans les deux plats, l'un de sucre en poudre, l'autre de noix de coco et je les roule. J'adore personnellement la couleur obtenue. N'est-ce pas que c'est joli? Ma vidéo arrive à son terme. J'espère que cette recette vous a plu et que vous avez pris plaisir à regarder la vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, liker, commenter, partager,
Je compte sur votre soutien, mes pommes d'amour, comme d'habitude. J'approche à grands pas des 5000 pommes d'amour. Je suis vraiment heureuse. Je vous en remercie. Je vous dis à une prochaine vidéo pour ma part. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, mes pommes d'amour.